et je vous souhaite la bienvenue. Allez, on attaque. Donc, ce soir, à la fois, on est sur Discord. Là, c'est le serveur des membres du cercle. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidos, même si, bon, voilà, ceux qui sont là, ils savent. Et puis, on va partir dans les explications de quoi on va parler ce soir. Mais ce soir, on est en simultané aussi sur YouTube. Et puis, les gens qui veulent nous regarder à droite, à gauche, ils peuvent nous regarder via YouTube. Par contre, sur YouTube, désolé, comme vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas poser de questions, vous ne pourrez pas participer, mais vous pourrez entendre les débats et tout ce qu'on va dire ce soir. Et ce soir, on a beaucoup d'annonces avec Patrick à vous faire. Coach Patrick, vas-y, fais une petite présentation rapidos. Et puis dis-nous où tu es, parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Super. On est une équipe de ouf. Hein. On est à fond. Hein. Depuis le 1er avril avec Patrick, on ne dort plus. On ne dort pas. On fait des vidéos, des lives, des exercices, des corrections. On n'en peut plus là. Mais ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, j'ai eu plein de coups de fil avec plein de gens super intéressants. Et il va y avoir du lourd qui va arriver en plus. Mais je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a deux parties. On va faire la présentation de la reprise des entraînements au mois de juin. Je sais que vous êtes surtout venus pour ça ce soir et vous avez raison. Je vais vous expliquer avec Patrick, on va vous expliquer comment on fait pour reprendre le terrain au mois de juin parce qu'on en a marre, on en a tous marre là d'être dans nos cuisines, dans nos salons, à ne pas pouvoir jouer au basket. Alors, il y a mon ballon derrière, il est prêt, les chaussures sont prêtes, tout est prêt. Vous aussi, vous êtes tous prêts et on va vous entraîner. Et on va vous expliquer comment au mois de juin. Ça, c'est la première partie. On va tout vous expliquer, tout le service, etc., tout ce qu'on fait avec Patrick depuis le 1er avril sur le cercle. Et ensuite, dans une deuxième partie, dans la deuxième partie, vous poserez vos questions basket et on répondra à tout le monde en questions basket. Encore une fois, si vous n'êtes pas sur le Discord du cercle, et c'est gratuit, hein, donc si vous n'avez pas eu les liens, c'est trop tard. Vous n'avez plus qu'à changer sur YouTube, mais par contre pour samedi on refera un live. Si vous voulez poser vos questions en live basket, qu'on voit vos tronches, que vous posiez vos questions sur n'importe quoi qui concerne le basket, parce que le reste ça ne nous intéresse pas, surtout pas d'autres sports d'ailleurs, vous pouvez venir poser vos questions. Vite fait, le cercle basket, c'est pour la performance. Je ne m'adresse qu'à des coachs, Patrick aussi, qu'à des coachs ou des joueurs, et surtout des joueurs qui veulent performer et qui veulent s'améliorer tous les jours. On a fait beaucoup de choses depuis le 1er avril avec Patrick. On a 25 aujourd'hui abonnés qui sont à fond dans la performance et qui progressent avec nous tous les jours, malgré le confinement, etc. Comme là, c'est en train de se libérer un petit peu, en tout cas en France, mais il y a certains pays où il y a toujours des gens confinés, on les aide aussi, on aide tout le monde, mais on ne fait pas ce service-là uniquement pour rester traiter pendant le confinement. On fait ce service-là et on a commencé le 1er avril, mais on ne s'arrêtera pas, on va le continuer à l'année. Là, qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? On va reprendre les terrains. Comment ça va se passer? Moi, je suis sur Lyon. Patrick est sur Shenzhen. Si vous êtes à Shenzhen, si vous êtes à Lyon, on peut se voir en présentiel, hein, en face, face to face, one on one, et prendre le ballon et jouer. C'est le cas de joueurs que je connais, comme Jérémy qui est ici là, dans le chat ce soir. On va se voir, on se connaît déjà, il a déjà fait des camps avec moi, des séances avec moi. On va se voir à Lyon. Donc j'ai eu d'autres personnes de Lyon ces jours-ci, ceux qui sont sur Lyon, la région lyonnaise. On peut se voir chaque semaine à partir. On devrait faire le premier entraînement vers le 4, 5, 6 juin, dans ces eaux-là. Et ça, pour caler exactement, il suffit de prendre contact avec moi par email et on cale ça. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Lyon, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Shenzhen, on a une solution aussi. Voilà comment ça va se passer. Toute personne qui est abonnée au cercle, soit en performance, soit en premium, soit en pro, j'ai bien dit toute personne qui est abonnée. Je ne parle pas des rookies qui sont des abonnés gratuits, je parle des abonnés performance et des autres.
Toutes ces personnes-là vont pouvoir venir assister gratuitement à toutes les séances d'entraînement ou, s'ils ne peuvent pas venir à Lyon ou à Shenzhen, ils pourront suivre ces séances-là sur Internet dès qu'elles sont mises en ligne, c'est-à-dire le jour même. Et puis, il y a aussi autre chose derrière, je vais vous expliquer. Pour les abonnements, comment ça se passe? Allez voir sur le cercle, allez voir sur le site. Les abonnements mensuels sans engagement commencent à 9,99€. Qu'est-ce que vous avez pour 9,99€? Vous avez tous les entraînements. On va faire avec Patrick un entraînement par semaine chacun. Moi, je vais faire l'entraînement du lundi. Alors, tout de suite, je vous explique, ça ne sera pas en live et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on est en live sur tout l'Internet. Okay. C'est facile parce que je suis dans mon salon, Patrick, il est chez lui. C'est facile de faire un live. Mais on a réfléchi avec Patrick et nous, notre job, c'est d'entraîner les joueurs et de les rendre meilleurs. Je ne peux pas vous rendre meilleur si vous êtes à Paris et que je fais un live à Lyon parce que je ne peux pas vous corriger. Et nous, on veut que vous soyez meilleurs. Donc, on a décidé de ne pas faire un live des entraînements, mais de faire un différé. Pourquoi? Parce que le mercredi, après l'entraînement du lundi, je fais l'entraînement le lundi, le mercredi, vous aurez un retour avec nous, pédagogique, sur votre entraînement du lundi. Si vous faites l'entraînement le lundi, ou le mardi matin, ou le mardi après-midi, ou le mercredi matin, ou le mercredi après-midi, vous le faites quand vous voulez, parce que vous êtes abonné, vous aurez la vidéo à disposition sur le serveur du cercle, 24-24, pour faire l'entraînement, voire même pour faire l'entraînement de la semaine d'avant. Tous les entraînements seront en ligne, et vous aurez tout le loisir d'accéder à l'entraînement pour pouvoir vous entraîner. Ce seront des vrais entraînements, comme ceux qui connaissent les camps avec moi, sous ce que je fais d'habitude en camp. Si vous ne savez pas ce que je fais, vous allez sur david-bonnel.com et vous allez voir mes 300 vidéos et articles sur ce que je fais d'habitude sur les camps. Pareil pour Patrick. En plus, on voit Patrick dans mes vidéos, donc ça tombe bien. Le travail de training qu'on fait en tant que professionnel d'habitude, on fera la même chose. Ça sera des séances de 2, 3, 4 heures d'entraînement et vous aurez l'intégralité de ces entraînements à disposition. Si vous êtes avec moi directement à Lyon, vous ferez l'entraînement, mais vous ferez le débriefing avec les autres le mercredi soir. Et au débriefing, en plus, il y aura Patrick. C'est-à-dire que non seulement vous aurez un débriefing, mais en plus, on sera deux coachs minimum, parce qu'il y a aussi d'autres coachs qui viennent avec nous de temps en temps sur le cercle. Vous aurez un débriefing de deux coachs. C'est quoi le débriefing? Si vous suivez la séance le mardi, par exemple, vous n'avez pas pu vous entraîner le lundi, vous vous entraînez le mardi avec la vidéo, vous allez essayer, vous allez faire l'entraînement, et peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, ou il y a des choses que vous allez faire, mais vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous filmez, vous notez des questions, vous aurez tout le cheminement. Il y a des vidéos dans le cercle aujourd'hui qui vous apprennent à faire tout ça. Elles sont déjà tournées, ça fait depuis le 1er avril qu'on fait ça. Là, on passe à une autre étape. Vous allez voir, essayer. Le mercredi soir, on va discuter de ça. Vous allez nous dire, ouais, c'était sur le crossover, la séance. J'ai fait les crossovers, j'ai fait les exercices. Il y a telle situation, coach, j'ai pas bien compris. Le mercredi soir, on va prendre le temps avec Patrick de vous expliquer pendant 2 heures, 3 heures, ce que vous avez vécu de la séance. Le jeudi, Patrick, il va faire sa séance et va vous envoyer la séance. Vous allez la recevoir. Pareil, vous allez pouvoir la faire le jeudi, le vendredi, le samedi. Et le samedi soir, avec Patrick, en live, on fait le débriefing de la séance du jeudi. Le dimanche, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez revoir la séance de lundi, vous revoyez la séance de lundi. Il n'y a pas de souci. La semaine d'après, le lundi, de nouveau, une nouvelle séance avec moi. Vous aurez toute la séance d'entraînement sur le site. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez l'habitude, vous avez accès. Même pour ceux qui sont rookies, vous avez aujourd'hui déjà des vidéos qui sont dans le bureau des rookies. C'est là que ça se passera. Sauf que les rookies n'auront pas accès vu qu'ils sont rookies. Dans un mois, avec Patrick, on aura déjà fait 6 séances de X heures d'entraînement. Vous pourrez
Du moment où vous êtes membre du cercle, vous pourrez avoir accès à toutes les séances d'entraînement et suivre tous les débriefings chaque semaine. Je vous ai bien, je vous résume, il y a 2 séances d'entraînement et 2 débriefings par semaine. Ça vous fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, ça vous fait déjà 8 heures de basket minimum si vous suivez déjà ces 4 choses-là. Mais ce n'est pas tout, parce que les membres du cercle actuellement, les 25 membres, ils n'avaient pas d'entraînement. Ils avaient des vidéos, ils avaient des entretiens avec nous. Ils avaient, pour les membres au premium, ils ont un groupe WhatsApp où ils nous posent des questions, ils nous envoient leurs vidéos. Pour les pros, ça va encore plus loin. Ils ont des entraînements individuels, ils ont des questions personnelles. Vous avez accès à tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas changé les prix avec Patrick. On a pris les mêmes services et on a rajouté les 2 entraînements par semaine. Et aujourd'hui, il n'y a pas loin de, je pense, il y a d'ailleurs au moins 40 vidéos déjà tournées depuis le 1er avril. Avec Patrick, du 1er avril au 30 avril, on a fait une vidéo par jour. On a fait à peu près 30 heures de vidéo. Peut-être même plus, je n'ai pas compté. Mais on a mis le paquet, c'était notre challenge, notre petit challenge du mois d'avril. Sauf qu'en mai, on n'a pas arrêté. En mai, on a fait des interviews de coach pro. La semaine dernière, on a fait une interview de Ashley, qui est assistant coach en WNBA, que je vais publier demain, par exemple, etc. Et il y a d'autres interviews qui sont prévues. Donc, tout ce contenu, tout le contenu qui se rajoute et tous les entraînements sont accessibles. Quelqu'un qui va venir au mois d'août, il aura accès, à mon avis, à 70 heures de vidéo et à 2 mois d'entraînement. Sauf qu'au mois d'août, il y aura d'autres surprises parce que je vais filmer mon camp. Donc, les gens qui vont s'abonner ensuite, ils auront accès à tout le contenu des camps que Patrick et moi ont fait dans le monde. Chaque camp sera filmé. Ça va être ça, le cercle. Ça ne va pas s'arrêter avec septembre parce que vous allez retourner en club. On sait que vous avez encore besoin de nous, même quand vous serez en club. OK. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Merci, Sonny. Ah ben, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que tout ce que je viens de dire comme bêtise, c'est déjà sur YouTube et quand on aura fini, ça sera rediffusé publiquement sur YouTube. Donc, vous pourrez réécouter si vous avez loupé le début du live. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on enchaîne? Yes, vas-y Rachid, je t'écoute. On t'écoute. Rachid. Oui, c'est bon. Je disais qu'à la dernière réunion qu'on avait faite, tu disais que même les pros doivent avoir accès à ces entraînements au prix de 1 euro la séance. Ah, ouais. Non, c'est compliqué. Bah, regarde, en fait, c'est simple. Si je faisais 1 euro la séance, sachant qu'il va y avoir 9 séances par mois, ça fait le prix de l'abonnement performance où tu as accès à toutes les autres vidéos. C'est pour ça que on a fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a préféré mensualiser et mettre avec l'abonnement que plutôt faire à la séance qui va être très, très chiant à gérer. Et en plus, comme toutes les séances sont en différé, de toute façon, tu vois, le problème, si on fait payer une séance, c'est que le joueur qui va louper la séance, il va dire « Oui, mais j'étais pas là, tatatita. » Ouais, c'est ingérable. Alors que si en performance, tu payes 9,99€ pour le mois, tu as accès à toutes les séances, à toutes les rediffs, tu as accès 24/24 à l'ensemble des séances. C'est le même prix et c'est beaucoup plus simple et tu as accès à toutes les autres vidéos aussi. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Hein. Ceux qui débarquent, Patrick lit le chat et il prend vos questions à l'écrit s'il y a des questions à l'écrit parce que vous n'avez pas de micro. Et sinon, on vous écoute en live, vous pouvez parler, vous avez tous la parole, hein. je ne vous ai pas coupé le sifflet. Avec Patrick, on a mis ça en place parce que on a eu plusieurs joueurs qui nous ont dit qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient besoin de s'entraîner. Donc là, nous, les séances, elles seront faites exprès pour que vous puissiez. Voilà, ça vous guide parce qu'on a fait beaucoup de vidéos avec Patrick qui sont, je pense, intéressantes. Hein. On a eu des retours très positifs de Sony et de tout le monde. Mais on sait que vous avez besoin de vous entraîner. Vous avez besoin de vraies séances. Donc là, vous aurez des vraies séances. C'est-à-dire que ce ne sera pas des séances pour les coachs. Hein. Ça, faut oublier. Hein. Nous, on enseigne à des joueurs principalement. Les coachs, OK, ils regardent la séance, ils apprennent des trucs. Ça va leur plaire, ils vont prendre des machins,
Donc les coachs, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Mais on fait des séances d'entraînement pour des joueurs. Moi, quand je vais entraîner à Lyon, j'aurai des joueurs. J'ai déjà 3-4 joueurs de Lyon qui m'ont contacté, que je vais entraîner à chaque séance. Et donc, je ne vais pas m'occuper de vous en ligne. Hein. Vous serez derrière votre caméra. Vous verrez ça après en différé. Je vais faire les séances. Ça sera filmé sous plusieurs angles. J'ai un matériel pour enregistrer le son, donc le son sera très bon. De toute façon, ceux qui sont sceptiques, parce qu'il y en aura toujours, hein, ça on ne peut pas empêcher, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut apprendre des choses avec des vidéos. Mais bon, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent un peu plus. Mais il n'y a pas de souci pour les sceptiques, parce qu'on vous mettra des petits extraits dans les premières séances, on vous mettra des petits extraits des séances. Voilà, mais ceux qui ont déjà fait des camps, ceux qui ont déjà fait la vidéo, vous allez progresser, hein. C'est évident. Ok, alors on enchaîne. Il y a une autre surprise. La deuxième surprise, c'est que, alors on ne peut pas vous le dire en entier avec Patrick, mais pour certains le savent déjà et pour l'instant, il faut qu'ils gardent le secret. Mais il va y avoir d'autres coachs de très haut niveau. C'est-à-dire, en fait, nous, on est déjà pas mal, je pense. On est déjà bon. On est même très bon, je pense. Mais on est allé chercher aussi d'autres coachs qui sont encore meilleurs et qui sont spécialistes dans leur domaine pour qu'ils fassent des séances spéciales en plus. Parce que moi et Patrick, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer les séances la semaine prochaine. Mais il y aura un suivi, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire une séance parce que ça nous passe par la tête. Moi, ce que je vais faire dès la première séance, c'est ce que je fais sur mes camps, c'est des séances où je sais que tous les joueurs ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces séances-là. Ça va être du tir, ça va être du 1 contre 1. Tout ce que je vais faire, c'est ce que je fais sur mes camps d'habitude. C'est du contenu que tous les joueurs n'ont pas en club et qui est impératif. Impératif. Et ensuite, il y aura un suivi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme lorsqu'on fait des camps ou lorsqu'on fait... pas du club, parce que ce qu'on fait avec Patrick, c'est pas du travail de club. On fait du travail individuel pour développer les joueurs. Donc, on ne prépare pas le match du samedi. On prépare nos joueurs à être des athlètes de haut niveau. Voilà, des athlètes et des performeurs du basket. Donc, on n'a pas le même objectif. Et le but, c'est la progression. Suite à la première séance, suite au débriefing, moi, je vais préparer ma séance de la suite. C'est-à-dire que si je vois que les joueurs, ils ont eu du mal sur un truc, je vais insister là-dessus et ça va se construire de séance en séance. Bien sûr, celui qui va louper la première séance, ça serait bien qu'il revienne au début parce que sinon, il va planer. Je vous le dis franchement, il va planer s'il arrive au bout du 8 séances, clairement. Et ce sera mon conseil, c'est va suivre les séances dans l'ordre. Mais comme les entraînements classiques d'ailleurs, hein, si vous loupez le début de la saison, bah, quand vous arrivez au mois d'octobre, au mois de novembre, vous êtes largué par rapport aux autres de votre équipe. Là, ça sera la même chose. Si vous ne prenez pas le train dès le début, ça sera plus compliqué parce que on va progresser de séance en séance. Vous allez progresser et nous, on va faire avancer le schmilblick. Voilà. Et Patrick et moi, on ne fait pas les mêmes choses. On se rejoint sur beaucoup de choses parce que aussi on travaille ensemble. Donc forcément, on en discute. Et puis on va du coup regarder nos séances respectives. Donc c'est super intéressant aussi pour nous parce qu'on va progresser en tant que traîneur. Mais on va amener d'autres choses. Moi, Loïc qui est mon associé au Canada, je sais que Loïc, il vous fera des séances, c'est sûr. De toute façon, s'il ne le fait pas, je vais l'obliger à en faire pour que vous ayez des séances de Loïc parce qu'il... il est extrêmement bon dans certaines choses, comme la contre-attaque, des choses comme ça. Donc, il vous fera ça. Et puis, on a des coachs américains qui vont vous faire des séances. Ça c'est sûr. Alors, ils ne seront peut-être pas au live parce que ça sera peut-être compliqué de les faire. Mais nous, on fera l'analyse et le débriefing avec vous des séances des autres coachs. Il y aura toujours un débriefing. Alors, ça, c'est la deuxième surprise. Mais il y a une troisième surprise parce que cette semaine, c'était une semaine spéciale. Et dimanche, c'était l'anniversaire à Patrick. Donc Patrick, tu vas annoncer la suite puisque c'était ton anniversaire et tu vas dire quelle est la troisième surprise. Vas-y. Ouais, c'est parce qu'il s'entraîne beaucoup et qu'il s'alimente très très bien. C'est le secret du cercle.
Il faut pas tout dire, Patrick. Il faut pas tout dire. Il y a plein de choses qui se passent dans le cercle en plus du basket. Donc, on peut pas révéler tous les secrets ce soir non plus. Il faut être membre pour savoir. Non, mais alors, et je rigole sans rigoler, parce que avec Patrick, au début du confinement, on pouvait pas faire des séances techniques. On a fait énormément de séances sur le mindset où on est allé très très loin. Et je sais, les joueurs, comment vous êtes. Ce que vous voulez, c'est du terrain, vous voulez courir, dribbler. Ouais, on sait ça, on sait. Mais il n'y a pas que ça qui compte et on vous apprend autre chose aussi. On va beaucoup plus loin, on va très loin pour que vous deveniez indispensable à vos équipes et que vous deveniez tous pros. C'est la problématique. Aujourd'hui, j'ai parlé au père d'une de mes anciennes joueuses qui va revenir et qui très certainement va faire partie du cercle. Elle est en équipe de France. Hein. Donc, elle a besoin d'avancer. Elle est pro aujourd'hui, elle a besoin d'aller plus loin encore. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de progresser. LeBron James, il s'entraîne tous les jours encore. Il a besoin d'aller rechercher de la technique, d'aller rechercher du physique, de la souplesse, de la performance, du mental, tous les jours. Sinon, on ne peut pas devenir le meilleur joueur du monde si on ne va pas rechercher ça tous les jours. Donc, pour nous, c'est important, c'est une recherche permanente et c'est ce qu'on vous amène dans le cercle. Donc, pour Patrick, donc, merci à lui et grâce à lui, vous avez 50% de réduction jusqu'au 31 mai. Il y a déjà des joueurs qui se sont réabonnés suite avec ce code promo. Pour les anciens comme pour les nouveaux, vous avez 50%. Pour les anciens, c'est encore mieux parce que si vous avez votre abonnement qui finit qu'au mois de juillet, vous faites 7 semaines et ça vous reporte jusqu'à fin août ou enfin en fonction de votre date anniversaire, ça vous reporte de 30 jours de plus à moins 50%. Donc ça vaut le coup. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne sont pas encore abonnés, les rookies, vous avez tout ce que j'ai dit tout à l'heure, non pas pour 9,99€, mais pour 4,99€ pour le mois de. Enfin pour 30 jours. Donc ça va, hein, 4,99€. C'est même pas un menu chez McDo, hein. Donc voilà, je vais pas faire de tergiverser. Et en plus, faut pas aller manger chez McDo. Mais ça, on vous apprend aussi dans le cercle pour faire vos Big Mac tout seul chez vous et d'une bien meilleure qualité. Ça, c'est fait. S'il y a pas de questions par rapport à ça, on enchaîne sur vos questions comme on fait depuis un mois dans le cercle. On prend les questions avec Patrick et on y répond. Questions diverses sur le basket.